De mai, à quoi devez-vous vous attendre en mai 2021? Voilà, alors je vais prendre pour ça des oracles. J'ai fait trois groupes de cartes et puis je vous ferai un tirage de 9 cartes avec l'oracle des miroirs hein, qu'on connaît tous. Et puis il y aura une carte de synthèse, une carte des anges en synthèse. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas pris de tarot, enfin, si j'ai pris un tarot. Ce tarot, alors je suis un petit peu partagée au sujet de ce tarot, je vous en parle rapidement. C'est un tarot magnifique, vous allez voir, les cartes sont très très belles. Folarcos Tarot. Alors, en fait, je suis un petit peu partagée parce que j'ai vu une review de ce tarot et je me suis dit vraiment chouette, il y a un vrai travail de créateur. En fait, plutôt que de faire ça, je ferais mieux de vous le montrer. Hein. Et alors, le seul problème, c'est que la review disait que le guidebook était bien fait. Et alors, oui, le guidebook est intéressant, mais il y a très très peu d'informations. C'est en anglais, c'est très difficile à lire, le vocabulaire est compliqué. Vous voyez, je suis obligée de chercher des choses. Et surtout, le créateur, enfin la créatrice, qui a fait un travail d'artiste qui est magnifique, hein, d'accord, je ne remets pas ça en cause. En fait, si vous voulez, nous a fait un petit guidebook qui est extrêmement dense en contenu, mais alors tellement petit qu'en fait on comprend rien. Donc c'est très très abstrait, c'est très, je sais pas, elle est partie dans ses méditations et c'est génial, sauf que derrière on n'a pas assez de texte, donc on se retrouve avec voilà. Alors il y a des cartes vraiment très très belles, donc c'est le Folarcos Tarot, mais alors travailler avec c'est compliqué. Alors ce que je vais faire, je me suis dit que j'allais me l'approprier à ma sauce à moi, parce que le texte de la créatrice, je pense que j'en ferai pas grand chose en fait. Hein, c'est vraiment tellement, particulier, je vais dire, que c'est compliqué de se connecter à sa pensée avec quatre lignes, si vous voulez, d'accord? Ça part dans des délires, enfin voilà. Alors j'ai mis une carte dans chaque tas et je vais simplement m'inspirer de... Alors, je peux regarder, évidemment, si vous voulez, le Five of Wings, c'est le 5 de... c'est le 5 de bâton. Non, d'épée, pardon. Donc, je peux m'inspirer d'un 5 d'épée normal, vous dire, par rapport à un rider normal, mais je pense que je vais me laisser porter plus par la création, parce que ce sont vraiment des œuvres d'art et qu'elles sont, elles sont très, très, très belles. Donc voilà, donc si vous trouvez qu'il y a une interprétation un peu étrange du tarot, bah, écoutez, c'est que c'est comme ça, avec ce tarot de toute façon visiblement ça ne peut pas être franchement autrement. Voilà, donc sachez-le, si vous commandez ce tarot, il est très beau, mais alors le guidebook, voilà, moi j'ai du mal à rentrer dans les pensées de cette créatrice avec, vous voyez, sur le... Sur le roi de denier, on a 6, 2, 4, 6 lignes. Bon ben, 6 lignes, quand c'est des... Oh là, ambulance. 6 lignes, quand ça se rapproche d'un tarot normal, voilà, le roi de denier, je sais bien ce que signifie le roi de denier. Mais quand on s'éloigne complètement d'une interprétation du rider, je trouve que ça mérite plus que 6 lignes, en fait, pour que le lecteur puisse entrer vraiment dans... dans un partage, en fait. Du coup, là, c'est compliqué. Donc, à mon avis, il vaut mieux s'approprier ce jeu et laisser de côté le guidebook éventuellement. Bon, allez, le blabla étant terminé. Alors, trois groupes de cartes avec trois pendentifs différents. Alors, le premier groupe de cartes, vous avez ce pendentif et je vais vous en parler un petit peu plus que les autres. Alors, je ne sais plus de quelle pierre il s'agit. C'est, vous savez, il y a un, avec du rubis dedans, du fuchsia, de la fuchsie, là, je ne sais plus. Alors, vous voyez qu'il y a un arbre de vie sur ce pendentif. Ce pendentif, il m'a été offert par les bijoux de l'âme. Je vous en ai déjà parlé, j'avais présenté un bracelet. Donc, elle fait ces très jolis pendentifs. Elle prend une pierre et vous voyez, le pendentif est recouvert de fil et elle crée un arbre de vie dessus. Voilà, c'est très bien fini, c'est hyper chou.
Voilà, donc si vous souhaitez regarder ce qu'elle fait, donc c'est Aurélie c'est Aurélie, j'espère que je ne dis pas des bêtises, j'ai du mal avec les prénoms, enfin c'est les bijoux de l'âme, ça c'est sûr, ok? Je vous remettrai les liens en dessous. Alors ça, ne me demandez pas d'où ça vient parce que ça vient des puces, c'est donc une petite caverne et on a du cristal de roche, voilà, c'est une petite géode coupée en deux, mais ça fait comme une petite caverne pour mon cristal de roche, voilà. Et vous voyez, voilà, c'est coupé en deux, c'est bombé. Et le troisième groupe de cartes, on a. Alors, c'est pareil, hein, je pêche sur tous les noms, hein, comme d'habitude. je ne sais plus si c'est un Tristel, un Tristerra, hein, je ne sais plus quel est le nom exact de ce pendentif celtique qui symbolise évidemment le pouvoir des trois. Donc, voilà, qui nous ramène à la magie. Ou bah, le 3, la Trinité. Voilà, voyez ce que vous y voulez. C'est plutôt d'inspiration celte et de magie celte. Mais enfin bon. Allez, on est parti. Donc vous faites pause, vous trouvez votre groupe de cartes. Alors ce que je ne sais pas, c'est si les guides ont décidé de me parler de trois choses différentes, trois domaines différents, qui peuvent nous concerner entièrement dans le mois de mai, ou si vraiment il y a des choses pour des personnes différentes. Donc laissez-vous porter, vous prenez un groupe de cartes ou plusieurs, c'est vous qui voyez. Et si vous voyez la vidéo plus tard, j'ai envie de vous dire que si c'est pas pour vous en mai, c'est que si on vous propose la vidéo plus tard, c'est que c'est plus tard. Hein. Voilà, c'est tout. Allez, let's go. Alors, ce petit arbre de vie va nous raconter quoi? Alors. Je ne sais plus si c'est une importance. Non, je crois que ça n'a pas d'importance. Alors, la famille. Ah oui, cette carte avait sauté. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Alors, je me suis fait la remarque qu'il ne me restait qu'une seule pierre sur la table et que ce n'était pas un hasard. Et que cette pierre, c'est un grenat qui me permet de me connecter aux vies antérieures. Je me suis dit, ah, on a peut-être un signe ici. J'ai oublié de vous dire que je faisais ma vidéo le 1er mai. Donc, évidemment, je vous souhaite plein de belles choses pour ce 1er mai. On a évidemment l'énergie du muguet qui nous porte chance, qui nous porte bonheur. Voilà. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, tempête en vue, porte vers la spiritualité. Je vais tout retourner. Alors, il me semblait que j'en avais trois. Non, bah alors là, j'en ai que deux. Donc, c'est comme ça. Ensuite, la choice. Renewal. Le renouveau. Là, j'ai la patience. Fulfillment. La guérison par le pardon. Cher Dieu et Archange, je suis disposée à pardonner et à pardonner aux autres afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Alors ici, on a le jugement. Regardez-moi ça, la beauté de cette carte. C'est pour ça que je vous dis, en fait, ces cartes, on pourrait les accrocher au mur, tellement elles sont belles. Voilà. Donc le jugement qui nous parle évidemment de renaissance, mais ici, on a une très très forte connexion. À la nature, il y a une osmose, une fusion totale avec la nature et les animaux, en fait, au travers de cette renaissance. Et ici, les rêves. Alors, moi, ce que ça me dit ici, c'est qu'au cours du mois de mai, vous allez, comment? Traverser une période de gros nettoyage avec tempête en vue, d'accord? Qui, à la fois, va peut-être être relativement inconfortable, hein, il faut pas se le cacher. Une période, oui, de nettoyage où on fait le vide. Alors c'est rigolo parce que si vous voulez, on dit on fait le vide et là on me montre la carte du plein en fait, fulfillment. Alors avec l'abricot. Alors je ne sais pas si l'abricotier a une symbolique particulière, ça pourrait être intéressant d'aller voir un petit peu la symbolique de l'abricotier. Le fait de remplir, moi je pense que on va au cours du mois de mai vous vider, vous nettoyer de quelque chose de familial qui n'a rien à voir avec vous, on nous le dit ici, d'accord? Alors
un grand-parent, un arrière, je ne peux pas vous dire, d'accord? Peu importe. Je pense que c'est quand même très vieux. C'est quand même très vieux. Pour vous remplir d'autres choses, très clairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir passer par, pour le, au, au nom de votre famille, par le pardon. Donc, il y a très certainement des choses que vous avez déjà conscientisées par rapport à votre famille, des choses qui vous ont fait souffrir, des choses qui vous ont privé, qui vous ont mis dans le manque, parce que là, on vous remplit, d'accord? Donc, il y a forcément quelque chose où vous avez manqué de, d'accord? Où vous vous êtes rempli de la mauvaise énergie. Je vous ai beaucoup parlé de l'énergie du manque. Très clairement ici, j'ai l'impression, c'est comme si on faisait un dernier nettoyage au cours du mois pour renaître, d'accord? Pour finir de nettoyer ce manque qui nous a nourris, qui est devenu comme un énorme ventre de plus en plus affamé, en fait, hein, qui nous tirait vers le bas, pour cette fois-ci nous nourrir d'autres choses, nous remplir d'autres choses. On a la possibilité, évidemment, de travailler comme ça, c'est-à-dire ou pas. Il y a des personnes qui me disent, bah oui, mais j'ai une personne l'autre jour qui m'a dit, bah, je me désabonne parce que ça ne se réalise jamais ce que vous dites. Je dis, bah oui, écoutez, désabonnez-vous, ça, il n'y a pas de souci, quoi, je comprends. Maintenant, je le dis, je le répète, je pense que les gens ne sont pas conscients que derrière ces tirages de cartes, si vous ne faites pas le boulot, ça fonctionne pas. D'accord? C'est pas juste. Je sais que j'ai l'air de vous dire, oui, il faut faire de la méditation, ou il faut. Et puis les gens se disent, oui, bon, voilà, elle a raison, bien sûr, il faut en faire, mais pour autant, c'est pas forcément fait, d'accord? Je vous fais pas la morale, hein, mais je vous dis, si vous faites pas, eh bien, derrière, il n'y a pas, quoi. Tout simplement, ça marche pas, d'accord? Ou ça va marcher beaucoup plus lentement, ou voilà, il y a plein de choses que l'on peut faire. Alors, donc, il y a une question de choix. C'est aussi un choix de renaître. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous initiiez ce choix de renaître, de dire, bon, j'en ai assez. Je ne vais pas rester dans ces énergies qui me tirent vers le bas. Je choisis de pardonner à ma famille ce qui s'est passé, ce que je parce que je pense que vous avez conscientisé les freins que cela a été pour vous, d'accord? C'est-à-dire que où est-ce que je l'ai vu ça? Je sais plus. Je ne sais plus où je l'ai vu. Sur quelle carte je l'ai vu? Enfin bon, je l'ai vu. Si vous voulez, ça a dû vous mettre. Ah oui, c'est là. C'est dans la carte du jugement. Je pense que parce qu'un de vos ancêtres a mal vécu quelque chose, et que ça a été malhonnête, ça a été malhonnête par rapport à la planète, hein, malhonnête peut-être par rapport à ses autres dans la famille. Enfin, il y a eu quelque chose qui n'a pas été nettoyé correctement, où on n'est pas allé au bout d'une émotion, on n'a pas fait le travail de deuil, on n'a pas, voilà, on a dû ruminer de la colère, on a dû ruminer du chagrin, on a dû ruminer, enfin, des choses qui ont fait que vous êtes arrivé dans cette vie avec un poids sur le dos, d'ailleurs, on me l'a bien montré au début de la vidéo, hein, on a mis la citrine. Donc, il y a eu comme un fardeau, en fait, sur votre dos, sans que vous en soyez conscient, et ce fardeau vous a poussé très certainement à faire les mauvais choix dans votre vie parce que vous avez été comme conditionné dès le départ inconsciemment. Voilà, c'est pas une chose dont vous êtes responsable. On est clair et net là-dessus. Je pense que ça vous a profondément privé d'une connexion à la nature. Pourquoi? J'en sais rien. Il y avait certainement quelque chose de très superficiel qui a fait que ça vous a semblé être plus important que ce qui est naturel. C'est-à-dire que apparaître aux yeux du monde de manière naturelle, sans artifice, sans avoir à impressionner les autres, sans avoir à prouver quoi que ce soit, ça vous a semblé être le mauvais choix. D'accord? Ça vient de la famille. Je vous dis pas que vous êtes quelqu'un de superficiel à la base, hein, c'est pas ça que je veux vous dire. Mais il y a quelque chose comme ça parce que ici, ce qu'on me montre, c'est vraiment parce que vous allez faire ce travail au cours du mois de mai. Ça va débloquer des connexions aux animaux, à la nature,
à l'essence même des choses, d'accord? C'est comme si vous alliez rentrer beaucoup plus en profondeur dans la vie, en fait, dans la vie, comment je vais vous dire ça? De manière générale, c'est vraiment de manière générale, dans tout, en fait, une connexion à tout, à toutes les énergies autour de vous qui sans doute était en... Il y a un truc avec le feu, là, qui était bouché. Alors, soit vous y avez mis trop de feu, trop de passion, il va falloir calmer votre passion. Alors, moi, en ce moment-là, depuis que, vous savez, je vous ai dit, je faisais des soins de médecine chinoise. Et d'ailleurs, certaines d'entre vous, adorables, hein, comme d'habitude, vous êtes toujours d'une gentillesse avec moi, c'est un truc de fou, m'ont dit, mais tes tirages sont beaucoup plus apaisants, beaucoup plus... je sais pas, il y a quelque chose qui a changé dans mes tirages. Et maintenant, je sens, parce que si vous voulez, j'ai bien compris depuis 2 ans, qu'à chaque fois que j'apprends un truc pour moi, c'est parce que je dois le transmettre. Et c'est pas que moi, c'est tout le monde. C'est-à-dire que si la nature vous offre quelque chose, vous n'avez pas le droit de le garder pour vous. D'accord? Donc, réfléchissez aussi en ce sens, parce que si je vous le dis, c'est sans doute qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont douées pour certaines choses. Et puis, vous vous rendez compte que vous aviez un don, un talent pour quelque chose. Je digresse un peu, mais c'est pas grave. Et puis, bah, vous ne vous écoutez pas. C'est-à-dire que vous allez dire, bah oui, mais je ne peux pas exercer ce don parce que enfin, faire ça, aller dans cette voie, même si oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, mais je ne peux pas en vivre, c'est compliqué, c'est machin. Ben voilà, vous êtes tranquille, là, vous êtes en train de faire un beau bouchon et vous bloquez vos énergies. Et après, à côté de ça, vous dites, vous voyez, je galère déjà assez dans ma vie, je ne vais pas aller exploiter ce talent parce que, étant donné que j'ai pas d'aisance de l'autre côté, je peux pas me permettre de digresser, il faut que je reste concentrée sur ce truc. Et c'est précisément l'inverse qu'il faut faire en fait. C'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que la nature vous a donné quelque chose. Vous savez faire du théâtre, vous savez soigner les autres, vous savez écrire, vous savez peindre, vous savez chanter, vous savez je ne sais quoi, d'accord? Mais alors, il faut que ce soit quand même quelque chose de fort en vous, c'est-à-dire que voilà, moi j'aime bien chanter. Je ne crois pas que mon bouchon principal, ce soit le fait de ne pas avoir essayé de devenir chanteuse professionnelle. Hein. Non, je ne crois pas. Mais peut-être que ça ferait du bien aux autres et à moi-même que je participe à une chorale, par exemple. Ça pourrait être très bon, d'accord? Ce que je ne fais pas. Donc, vous voyez, je ne sais pas parce que moi, je vous dis des trucs que j'ai compris que je le fais forcément dans ma vie. Hein. J'essaye, je fais au mieux. Mais bon, voilà, je donne les exemples. Donc, par contre, moi, le jour où j'ai compris que je pouvais tirer les cartes, il n'a pas été question de ne pas le partager avec vous. Parce que ça, c'était tellement fort en moi que c'est pas pour moi. C'est pas un truc que je peux garder pour moi. D'accord? Voilà, il faut que je le partage. Alors, je sais, je vais reprendre les guidances personnalisées. Ne me disputez pas, je fais au mieux. Mais voilà, donc si vous avez quelque chose que vous savez faire et que vous avez pris une autre direction en vous disant, ouais, ça m'a plu, mais voilà, vous avez juste créé un truc qui est pas bon. D'accord? Et forcément, il faut exploiter votre don. Parce qu'il est là pour que vous puissiez le partager avec les autres, parce que ça va apporter de l'énergie positive aux autres. Voilà, donc je reviens à nos moutons et à nos petits chats, à nos petits oiseaux. Qu'est-ce que cette carte est belle? Donc il y a quelque chose qui ne vous a pas semblé naturel et qui... Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui était naturel chez vous, mais qui ne vous a pas semblé suffisamment à la hauteur pour que vous soyez aimé, valorisé avec uniquement ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se rajoute du pas naturel. D'accord? Donc, on va incarner des rôles qui ne sont pas forcément les nôtres. On va porter des choses, des vêtements qui, pour ressembler à un tel ou une telle, parce que voilà, donc, enfin, et du coup, les énergies sont pas bonnes. D'accord? Voilà, ici, il y a une possibilité de renaître. Alors, on voit ici que vous avez aussi, je ne vous ai pas parlé de la carte des rêves, vous recevez forcément des messages en rêve. Alors, les rêves, c'est très difficile de s'en souvenir. C'est aussi pour la réalisation de vos rêves. D'accord? La carte, elle vaut dans les deux sens. C'est-à-dire que là, j'ai le jugement, on renaît, et qu'est-ce qui va se passer derrière? Les rêves, donc la réalisation des rêves. Mais je pense que vous recevez des messages profondément en rêve, mais peut-être que pour l'instant, c'est compliqué. Et qu'au cours du mois, justement, quand ce nettoyage familial va être fait, ces mémoires vont être nettoyées avec un renouveau énergétique, eh bien,
Vous allez pouvoir recevoir des messages en rêve. On me rappelle qu'il faut forcément travailler dans l'énergie du pardon. D'accord? Donc voilà. Donc à chaque fois que vous pouvez envoyer des énergies de pardon autour de vous, vous êtes dans la bonne dynamique. Voilà. Même si ça ne concerne pas votre famille, j'ai envie de vous dire. D'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Porte vers la spiritualité, peut-être qu'il faut engager plus de prières ou des choses comme ça, hein. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage de 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Et puis, on prendra une carte des anges pour voir un peu. On essaiera de poser une question aux anges. On va se laisser porter. Alors, vous vous souvenez les gens qui ont tiré le groupe de cartes l'autre jour où il y avait la chanson It Ain't Me? Je vous avais dit que c'était une chanson de Miley Cyrus, qui n'est pas du tout le cas. C'est une chanson de, je sais plus le nom du groupe. C'était It Ain't Me. I had a dream. Da-n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 a. Et c'était une jeune fille qui disait à son mec, mais je m'en fiche, de toute façon, si tu t'en vas. Comment tu vas faire quand tu vas rentrer tout seul le soir, que tu seras bourré, qui est-ce qui va s'occuper de toi? Voilà le pardon. C'est-à-dire, on me rappelle que il y a des choses à pardonner par rapport à ça. Parce que peut-être que ce que vous avez vécu avec un partenaire peut être tout simplement l'écho d'un truc familial et lui n'y pouvait strictement rien et vous non plus. C'est-à-dire que ça devait arriver en fait. C'était comme ça, c'était écrit et en fait, ce serait c'est un épuisement énergétique pour vous de ne pas l'accepter, en fait. D'accord? Ça vous bouffe de l'énergie. Vous savez bien que je suis toujours dedans, hein. D'accord? Donc, je ne vous fais pas la morale. Alors, le miroir magique qui va nous renvoyer plein de choses positives. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? L'argent. Voilà, ça ne m'étonne pas du tout. La naissance. La parole. Alors, première chose, premier message qui me vient, c'est qu'il y a des personnes qui sont douées sur le plan oratoire. D'accord? Sur le plan de. Alors, vous voyez, je vous ai parlé de la chanson tout à l'heure. Moi, on m'a déjà dit que je pouvais guérir les gens par la voix. Alors, j'ai pas encore compris exactement comment. Enfin, voilà, les énergies, je suis en train d'apprendre. Donc, mais il y a des gens qui sont doués sur le plan. Alors, la parole, il va y avoir beaucoup de choses ici. Il peut y avoir la voix, il peut y avoir le travail avec les mots, MOTS, qui évidemment sont rattachés aux mots MAUX. Je pense que dès la naissance. Dès l'enfance où ici on vous montre que vous êtes arrivé avec à la fois une grande aptitude pour la communication, mais à la fois de la médisance, c'est-à-dire comme si, voyez si dans votre famille on n'a pas tendance, on n'a pas des arrières ou des grands-mères, des grands-pères, des je sais pas qui moi. Qui sont des gens très critiques, qui ont la parole, qui sont toujours en train de critiquer les autres, où on dévalorise, voyez, avec l'argent. Alors, il est possible aussi que dès l'enfance, vous ayez été d'une certaine manière dévalorisé, qu'on vous ait demandé de vous taire, par exemple. Je vous en ai déjà parlé de ça sur une vidéo. Grosse moto qui passe et qui fait vroom. Donc, il y a quelque chose comme ça ici. Maintenant, ça veut aussi dire qu'il y a une possibilité au cours du mois de renaître. Cette renaissance-là, on nous la donne ici alors, valoriser tout ce qui est communication. C'est-à-dire que la communication va être franchement meilleure. J'insiste bien sur le fait de la communication. Qui nous parle autant de circulation que de la communication, c'est la circulation, d'accord? C'est la même chose.
Alors, ça peut vouloir vous dire aussi que en prenant la parole dans certaines situations, ça va vous rapporter de l'argent. Ça peut être ça aussi concrètement dans la matière. C'est un début. D'accord? Voilà, début. Alors, le voyage. Verdict, et alors l'argent. Je vois bien le voyage avec le verdict, mais alors avec l'argent. Peut-être que vous avez peur. Déjà, ce qui me vient ici, c'est que je pense qu'au cours du mois, vous allez prévoir un voyage et. Alors, soit vous vous inquiétez, vous prenez une décision ici, d'accord? Vous vous inquiétez quand même, je pense, de ce que va vous coûter ce voyage. Alors, pourquoi on me montre ça? J'en sais strictement rien. Il doit y avoir une raison, d'accord? Il est possible aussi que ce soit un voyage qui vous rattache à vos histoires de famille, justement, d'accord? Oui, il y a quelque chose en rapport avec votre famille, puisqu'on avait ça dès le départ, tout à l'heure. L'amitié, la naissance, le contrat. Vous vous engagez vers de nouvelles amitiés, là. Vous avez envie de créer, au cours du mois, je pense, de nouvelles. De nouveaux liens. Ici, on voit que vous créez de nouveaux liens. Alors, tout à l'heure, on avait des guides, l'univers vous nettoie de quelque chose et. Vous remplit d'autres choses. Je pense qu'il vous remplit de liens amicaux. C'est-à-dire qu'après ce nettoyage, on a la possibilité de créer des liens différents, d'accord? De nouveaux liens avec des personnes peut-être vers lesquelles on ne se serait pas tourné de prime abord. Ça peut, voilà, ça peut être ça. Il est possible aussi, au cours du mois, du coup, que vous prévoyez un voyage avec un ami, hein, tout simplement. Et alors, ça va être quelque chose d'important, vraiment de fort, puisqu'on a le miroir magnétique à côté qui renforce toutes les énergies. Vous êtes en train aussi de. Ici, on voit. Vous êtes en train de revoir votre relation à l'argent, en fait. À la matière, alors c'est pas que l'argent, c'est aussi la valeur que vous vous accordez, bien évidemment. Mais on n'arrête pas de me montrer le petit cochon là. Cochon qui s'en dédie. Cochon qui s'en dédie. Vous savez ce que c'est l'expression cochon qui s'en dédie? C'est quelqu'un qui a. Excusez-moi si vous savez, hein, mais pour moi l'expression, elle n'était pas évidente quand je l'ai quand je l'ai rencontrée il y a des années. Ça veut dire que si vous donnez votre parole pour quelque chose, ici c'est donner sa parole, le contrat, d'accord? On a la parole ici. Si on donne notre parole pour quelque chose et qu'on ne s'y tient pas, on est un cochon. Donc peut-être que dans vos vies, pas dans vos vies antérieures, mais dans vos mémoires de famille, peut-être qu'il y a des gens qui se sont engagés qui n'ont pas tenu leur parole. Vous, vous allez tenir votre parole, c'est-à-dire que là où vous allez mettre votre énergie, vous allez y rester. D'accord? Quel que soit, c'est au sens large. Mais c'est un engagement différent que vous prenez, vraiment, au cours du mois. Donc voyez aussi dans votre famille s'il y a eu des gens qui ont tendance à dire oui, je ferai ça, quand on aura fait ça, on fera ça. Et puis en fait, ça n'arrivait jamais. C'est-à-dire, bah non, en fait, on ne le faisait pas. Et ça peut-être que c'est aussi à pardonner. C'est aussi à pardonner. Alors ici, il y a donc une décision. Peut-être que vous allez décider aussi de gérer votre argent complètement différemment. Alors les gens qui sont trop dépensiers, peut-être de restructurer les choses. Et puis les gens qui sont trop près de leurs sous, eh bien de lâcher prise. Vraiment. Ensuite, sur la parole, qu'est-ce qu'on a la réunion, la parole? Bah, je pense que vous allez retrouver
Alors, soit vous retrouvez une personne, mais c'est pas super clair parce que j'ai pas de. Vous voyez, là, j'ai des amis, mais. Soit vous retrouvez des amis ou vous vous réunissez avec des personnes avec qui vous pouvez parler au cours du mois et ça va être important pour vous. Soit vous allez retrouver en fait un. Ça peut être en vous, c'est-à-dire que l'énergie, elle peut vibrer en vous dans le sens où vous vous réunifiez sur quelque chose. À l'intérieur de vous, la réunion, ça peut être ça aussi. Comme si vous vous concentriez davantage sur quelque chose et que ça vous permette une plus grande fluidité des choses, une plus grande. C'est pas une harmonie, c'est une meilleure communication en fait des choses en vous. Parce qu'il y a quelque chose qui se rejoint en vous. Alors quoi? J'en sais rien. Le contrat, le verdict, la réunion. Alors, s'il y a eu des décisions, évidemment, hein, sur le plan professionnel, peut-être que vous allez retrouver des personnes avec qui vous allez pouvoir vous engager différemment, peut-être, vous réunir pour travailler quelque chose. Alors moi, ce qui m'appelle aussi, c'est que, bon, vous savez que je ne suis pas du tout l'actualité, je vous l'ai déjà dit 200 millions de fois. J'ai quand même vu passer une vidéo, je ne sais pas si je l'ai partagée, d'un médecin qui a fait des manifs. Hein, je sais, j'ai l'air d'atterrir d'une autre planète, mais vu que je ne regarde pas les news, avec des gens qui se réunissent pour lutter contre le. Voyez, on me coupe la gorge là. Je ne devrais pas en parler. Les manifs pour le Covid, par rapport au Covid. Donc ça m'appelle là par rapport à ça. Bon voilà, je développe pas plus parce que. Visiblement, il vaut mieux pas que j'en parle trop, je ne sais pas. J'incite personne à quoi que ce soit, mais voilà, c'est vaguement soulevé. Voyage, magnétique, l'amitié, oui, ben ça je vous l'ai déjà dit. Voilà ce que j'ai pour vous. Je pense quand même que au cœur du problème de votre famille, c'est ça. Donc vous, au cours du mois, vous allez très certainement avoir un rapport à l'argent qui est différent. Qui va évoluer. La parole aussi, elle est vraiment placée au centre. Hein. La guérison par les mots. Voilà ce qui. Donc ça peut donner aussi des rencontres sympas où on se parle beaucoup plus ou des choses comme ça. Hein. On arrive à éclaircir des engagements. Voilà comment ça peut se manifester avec des personnes nouvelles. C'est pas forcément la réunion avec des gens de votre passé là. Hein. D'accord? Non, c'est une histoire de changement. Je pense que ce sont de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie au cours du mois de mai parce que vous avez dépassé quelque chose. Alors, je vais vous laisser poser une question. Et puis on va avoir la réponse. Chacun pose sa question. Allez. Amélioration de l'état de santé. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? La guérison et le pardon. Donc la réponse c'est oui, mais pour que ça progresse vraiment ou pour que ça fonctionne vraiment, ce que vous avez demandé. Il faut d'abord que votre santé soit plus stable en fait. Oui, j'ai pas eu fini ma phrase tout à l'heure. Je vous ai dit que je faisais de la médecine chinoise. Enfin, alors maintenant, parce que j'ai retrouvé une forme d'équilibre en moi qui n'est pas complet, hein, amélioration de l'état de santé, c'est qu'il y a encore des choses à faire hein, pour moi aussi. Hein. Je sens les gens qui sont. Trop agité, trop instable. Alors, j'ai toujours plus ou moins senti, mais alors là, c'est x10, quoi. Disons que ces gens, j'ai du mal à me tenir à côté d'eux, ou j'ai envie de leur dire, mais calme-toi, calme-toi. Voilà.
et c'est sans comment sans que ces gens m'énervent, hein, c'est pas ça du tout. C'est juste que je me rends compte à quel point ils sont dans une fatigue énergétique. Voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Eh bien, j'en sais rien. Sans doute qu'il y en a parmi vous qui sont dans ça et vous en rendez pas compte. Moi, je l'ai été très très longtemps et je m'en rendais pas compte, hein. Vraiment pas, hein. Donc, c'est jusqu'à ce que le médecin chinois me dise, mais en fait, vous devez être épuisé. Alors oui, effectivement, je fatigue facilement. C'est encore pas gagné, mais j'apprends. J'apprends. Donc voilà. Allez, je vous embrasse le premier groupe. Merci beaucoup de votre attention. Je vous dis à tout bientôt. Et puis si vous souhaitez suivre un autre groupe de cartes, eh bien écoutez, libre à vous. Hein, il n'y a pas de. Avec l'énergie et les cartes, tout marche. Donc il n'y a pas de limite. Seulement notre mental. Allez, à bientôt. Merci. Bye bye. Deuxième groupe, on est parti. Alors, j'enlève le petit pendentif. Et vous avez choisi le cristal de roche qui nous parle de limpidité, de clarté, de pureté, de purification. Ça peut être ce genre de choses. Alors, je vais essayer de reprendre les cartes comme l'autre groupe. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos aspirations et expirations. Quand vous contentez d'expirer, c'est-à-dire de donner, ou d'inspirer, c'est-à-dire de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc à chaque fois qu'on reçoit, on doit redonner. On doit travailler en méditation ici, au cours du mois, pour vraiment créer ce va-et-vient, encourager ce va-et-vient énergétique. En vous, il y a encore une ambulance, en désaccord avec le rythme universel. Donc je pense qu'on va essayer, l'univers au cours du mois de mai est en train de vous accorder au rythme universel. C'est pas rien. Ici, l'ange de l'amour, très bien. L'attachement. Il me semblait que j'avais pris trois cartes, c'est fou, ça, je voulais faire trois, en fait j'ai fait deux. Bon, c'est pas grave. Ici, on a quoi? La passion. Tend. Nourrir. The unexpected. Quelque chose d'inattendu. Freedom. Alors, vous voyez, je suis venue la mettre tout de suite à côté de l'attachement. Donc, il y a une liberté par rapport à des attachements au cours du mois. Demander de l'aide à l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour. Alors, on décrit la situation. Merci pour ton intervention divine de guérison. Donc, le soutien de Raphaël. Ici, Trail of Spirals. Trail, c'est. Ah ben, ça y est, je vais encore galérer avec ce tarot. Je ne sais plus si c'est le valet ou si c'est le cavalier Trail. Je crois que c'est le valet. C'est le valet de denier. Written in blood and earth. On a une ammonite. Et là, on a les secrets. Alors, je réfléchis pour voir ce qu'on m'envoie ici. Alors, déjà, évidemment, la première chose, c'est que vous êtes en train d'apprendre au cours du mois de mai. Vous allez avoir l'occasion de donner et recevoir, ou alors que de donner et de ne pas recevoir. C'est-à-dire que certains d'entre vous pourraient retomber dans des situations d'attachement. Mais comme vous voyez le tirage et que vous travaillez sur vous, ça veut dire aussi que normalement l'énergie est disponible pour qu'on puisse se libérer d'attachements qui ne nous nourrissent pas, c'est-à-dire on donne et on n'a rien reçu en retour. On ne reçoit rien. Donc, parce qu'on ne reçoit rien, on va comprendre le délire, hein, parce que le cavalier de le valet de denier, il a cette compréhension, il apprend les choses, que soit on est, en fait, l'ammonite m'appelle vers ça.
L'ammonite, soit elle vous tire vers le haut, soit elle vous tire vers le bas, en fonction du sens dans lequel on la porte, je crois. Le gars qui vend les pierres à côté de chez moi qui m'avait expliqué ça, il y a un sens pour porter les ammonites. Donc elles peuvent avoir une dynamique positive, c'est la spirale positive si vous voulez, soit eh ben, elles vous tirent vers quelque chose de négatif. Donc il y a vraiment cette notion ici de pouvoir se connecter à la bonne dynamique ou pas. Voilà, bon. Ici, alors, il pourrait y avoir, je pense que pour les gens, les personnes qui arrivent à se libérer des attachements toxiques, nocifs, il peut y avoir une proposition autre de l'univers, qui peut être timide, hein, qui n'est pas encore révélée, les secrets, qui n'est pas franchement révélée. Avec, c'est forcément quelque chose auquel on ne s'attend pas. Donc c'est pour ça que c'est pas révélé, que c'est pas, voilà. À mon avis, c'est un tout début de quelque chose avec soit quelqu'un, soit vous, qui nourrissez une passion pour quelque chose, qui devait entretenir une passion pour quelque chose. Alors, j'ai quand même ici avec l'ange de l'amour. Si j'avais pas eu l'ange de l'amour, je vous aurais dit la passion, elle est au sens large, elle est le feu, elle est la créativité, voilà. Mais on a quand même voir autre chose là. Ah. Il peut y avoir des personnes qui sont des personnes qui sont en couple. Mais ça va pas sur le couple, sur leur couple, pas du tout. Et du coup, qui risque de tomber amoureux, de ressentir une passion pour vous. Et du coup, ça reste quelque chose de caché, de secret, parce que, bah, parce que la personne n'est pas franchement libre. D'accord? Et la personne a besoin de se libérer d'un attachement. Et peut-être bien que pour cette personne, ça peut être complètement inattendu. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelqu'un qui cherchait à tromper son partenaire ou à aller ailleurs. Ou voilà. Vous savez, la vie parfois vous met dans des situations où d'un coup, il y a un truc qui match et vous vous rendez compte que de toute façon sur votre couple, ça matche plus du tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça aussi dans le secret. Il peut y avoir ça. Ça concernera pas forcément tout le monde, hein, mais c'est vraiment le côté clandestin qui ressort ici parce que c'est marqué en dessous clandestinistas ou je ne sais quoi, tinitas. Et ça ressort le côté clandestin, un petit peu interdit de cette relation. Donc, c'est vraiment quelqu'un qu'on. C'est peut-être quelqu'un de timide aussi. Quelqu'un qu'on apprend à connaître tout doucement. Quelqu'un de assez ancré en fait. Assez ancré. Qui nourrit en fait une passion pour vous ou quelque chose comme ça. C'est vraiment l'impression que j'ai. Alors après, si ça. Ça vous parle pas. Il se peut aussi que vous ayez à vous-même nourrir en fait la possibilité de vous ouvrir à une passion. Mais il va quand même se passer quelque chose d'inattendu au cours du mois. Ça c'est sûr, the unexpected. Il y a quelque chose auquel vous ne vous attendez pas qui va se produire. Donc il y a une surprise pour vous par rapport aux autres. Voilà. Mais c'est toujours pareil. C'est pour les gens qui donnent et qui reçoivent, qui savent recevoir. Parce que savoir recevoir, c'est pas si simple que ça. Surtout pour les personnes qui ont tendance à trop donner, parce que les personnes qui donnent trop sont les personnes qui n'ont pas confiance en elles. C'est-à-dire, elles ont l'impression qu'il faut qu'elles donnent plus pour être aimées. Donc, elles ont un problème pour s'aimer. Donc, à partir du moment où quelqu'un vient leur dire quelque chose de positif, eh bien, c'est la panique, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude de recevoir des compliments. Donc, c'est pas simple pour quelqu'un qui a l'habitude de trop donner, de recevoir. D'accord? Voilà. Recevoir le compliment et l'univers fera pas de cadeau là-dessus. C'est-à-dire que
Il va pas vous épargner, il va pas vous dire oui, oh, c'est pas grave, tu sais pas trop recevoir, mais t'auras un amoureux quand même. Non, ça marchera pas. Voilà. Allez, on y va. On prend l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'on vous dit. Je vais peut-être pas bien remélanger. L'évolution qui tombe. Il y a des changements, il y a une avancée en fait, une guérison, une amélioration sur le plan professionnel, une amélioration dans vos relations, dans l'estime que vous avez de vous-même. Personne pour s'attendre au cours du mois de mai, les guides. Je vois qu'il y a quand même une histoire un peu de cœur pour vous, hein. Le temps, l'énergie centrale, l'hérédité. Bon, alors. Je ne sais plus si j'en ai parlé tout au début de la vidéo sur le premier groupe de cartes. Très clairement ici, on m'a laissé le grenat. Je crois que je l'ai déjà dit au début de la vidéo, je ne sais plus. Le grenat ici me permet de me connecter aux vies antérieures. D'accord? Le premier groupe de cartes, il y avait des choses en rapport avec le transgénérationnel. Donc ici, l'hérédité, on n'est pas très loin. Alors, l'étranger, la loi. Donc au cours du mois, il y a un rééquilibrage hein, énergétique, il y a des décisions qui sont prises, je pense, par rapport à la famille. Alors, par rapport à vos origines, peut-être, est-ce que je pense aussi que vous allez... mieux comprendre, vraiment retrouver un équilibre sur comment dire les choses sur ce qui vous semblait ce que vous n'acceptiez pas jusqu'à présent parce que ça vous semblait trop différent de ce que vous êtes. Et c'est comme si là vous avez une capacité à intégrer intégrer une différence, à intégrer quelque chose d'autre qui vient vous rééquilibrer, mais ça rééquilibre aussi votre famille. Alors par exemple, typiquement dans les familles où il y a eu du racisme, vous voyez, alors racisme, c'est pas que envers les Noirs, hein, mais où il y a eu des préjugés comme ça sur les populations. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'être nettoyé, qui va s'améliorer, qui va être mieux compris et dont on va pouvoir faire le deuil. Très clairement. Ce qui vous permet aussi, vous, peut-être de prendre une décision par rapport à ce que vous pourriez faire avec votre famille, aller à l'étranger avec votre famille ou. Je sais pas, prévoir quelque chose. L'autre groupe, ils avaient déjà une notion de voyage en rapport avec la famille, donc on n'est pas très loin. C'est peut-être pas pour tout de suite, hein, ce voyage, mais bon, peu importe. L'évolution, vous voyez, l'hérédité, les changements. Donc là, très clairement, ce dont vous avez hérité de vos parents, alors au sens large, hein, parce que là, j'ai pas de précision, vous êtes en train de vous élever. Si vous voulez, on sait très bien que les enfants s'élèvent toujours par rapport aux parents. Sur le plan de la réussite sociale, par exemple, quand on regarde l'évolution des catégories socio-professionnelles des enfants, par rapport aux parents, il y a toujours une petite marge de grimper, très généralement, hein. Donc là, on sent que, si vous voulez, c'est comme si vous gravissiez une marge de plus ou un échelon de plus par rapport à ce qu'ont été vos parents, votre famille. Très clairement. Ça peut vouloir dire aussi que vous améliorez quelque chose dont votre famille souffrait.
D'accord? Avec l'hérédité, vous avez souffert de quelque chose. Donc, voyez ce que vos parents vous ont transmis. Voyez aussi dans votre thème natal la queue du dragon. C'est-à-dire que dans le thème natal, on a la queue du dragon et la tête du dragon. Si vous faites faire votre thème natal, vous allez voir dans quelle maison est votre thème natal. Et, pardon, n'importe quoi, votre queue du dragon. Et donc, à partir de là, vous allez comprendre ce avec quoi vous êtes arrivé dans cette vie, mais c'est aussi ce qu'on laisse derrière nous et que vous allez dépasser. Eh bien, c'est ça, en fait. D'accord? Ce qui veut dire que vous prenez la direction de votre nœud nord et non pas de votre nœud sud. Donc, c'est très bien. Et donc, la direction du nœud nord, quand on... Je ne sais pas si... Je ne veux pas te dire des bêtises par rapport à l'astro. Hein. Vous savez bien, mon rapport à l'astro est extrêmement compliqué. J'ai dû me battre avec des astrologues dans le passé. Moi, je ne sais pas, il y a un truc. Bon. Le nœud nord, c'est un petit peu notre plus haute destinée, finalement, je crois. Hein. Dans la vie, ce qui fait que si on arrive à atteindre son nœud nord ou on se dirige déjà vers son nœud nord, c'est déjà extrêmement bien. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est la direction qu'on peut prendre. Voilà. N'importe quoi. Voilà maintenant que je vous fais de l'astro au travers de... Alors, la voyance, l'étranger, la trahison. Donc vous voyez clair. Alors, vous avez été trahi, d'accord? Il y a des énergies douloureuses, de blessures, avec des personnes qui vous, par des personnes qui ne vous ont pas compris, qui étaient différents de vous. Alors, vous avez peut-être eu aussi, ça vous aidera d'analyser les relations que vous avez eues avec des personnes étrangères, par exemple. D'accord? Alors, étrangères, bah, c'est au sens large. C'est-à-dire, si vous, vous avez toujours grandi à la campagne, une personne étrangère, ça peut être quelqu'un de la ville, hein? Si c'est vraiment un citadin pur et dur, voilà, ça peut être ça. Après, ça peut être quelqu'un qui a une couleur de peau différente, on le voit ici. Voilà, quelqu'un qui est différent, d'accord? Alors, la différence, tout le monde est différent, hein, donc, mais vous avez une lucidité par rapport à ça, vous avez une clairvoyance, donc vous avez des flashs, des compréhensions. Et c'est de plus en plus. Alors, évidemment, pour les personnes qui sont clairvoyantes, bah, ça augmente, hein. On voit très clairement que, voilà. Et ça vous permet de sortir de l'énergie de trahison ici au cours du mois. C'est-à-dire, vous comprenez pourquoi... Parce que vous ne faisiez pas partie d'un groupe ici. Vous ne faisiez pas partie de la famille. De... Vous voyez ce que je veux dire? Ici, vous avez été trahi. Votre âme, hein, elle porte ça. Hein, parce que vous ne... Comment dire? Vous n'étiez pas un membre de quelque chose. Vous étiez étranger. Et c'est pour ça que... Vous avez quitté un clan. Oh là là, ce qu'on en voit. Vous avez quitté le clan. Vous savez ce qui se passe quand on quitte le clan? Oui, alors là, je frissonne. Donc, il y a cette mémoire sur vous. Quand on quitte le clan, quand on quitte sa famille, le clan a une attitude de protection qui va vous rejeter. C'est-à-dire que pour se protéger, le clan se sent rejeté. C'est-à-dire que si vous dites au clan, moi, je m'en vais parce que ce que vous vivez là, ça ne m'intéresse plus. Moi, je veux aller vivre chez les autres ailleurs, dans un autre clan. Eh bien, en fait, le clan va se retourner contre vous plutôt que de dire, ben oui, ok, on comprend que tu as envie de vivre l'aventure ailleurs, de voir autre chose, de voir autre chose. Voir autre chose. Bon, ça vient, ça vient. Eux le vivent comme une trahison. C'est-à-dire que ça veut dire que ce qu'on a là, c'est pas intéressant. Donc, je pense que vous avez dû vous intéresser. Je vous parle de votre âme, hein. On est dans le passé, hein, là, clairement. Vous avez dû vous intéresser à des choses autres qui n'étaient pas celles de votre clan. Et parce que vous avez fait ça, vous avez eu une curiosité de l'ailleurs, en fait, d'accord? L'envie de voir autre chose ailleurs. Et ça, ça s'est retourné contre vous, en fait. Eh bien, dis donc. Et votre famille est porteuse de ça.
est porteuse de ça. Donc elle a été maltraitée, votre famille a été maltraitée, parce qu'il y a un moment où elle s'est éloignée de personnes qui appartenaient à leur clan, et que en voulant aller voir autre chose ailleurs, ça s'est retourné contre votre famille en fait. Et vous, vous nettoyez ça en fait. Il y a une évolution, il y a un changement. Donc voyez par exemple dans votre famille qui a immigré, qui a quitté son pays, qui est parti, et en quoi, une fois arrivés ailleurs, ils ont payé ça comme une dette en fait. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, on a dû les rejeter pour avoir bah, osé tenter l'aventure ailleurs en fait. Alors, ce qui veut dire aussi que vous, dans votre curiosité spirituelle, là, dans votre envie d'aller plus loin dans vos compréhensions, dans, voilà, ça veut dire aussi que c'est malheureusement ce que vous revivez, c'est-à-dire qu'à mesure que vous vous avancez sur des compréhensions autres, c'est-à-dire que vous allez parler à vos amis d'autres dimensions, vous allez leur parler de votre clairvoyance éventuellement, ou de clairvoyance au sens large, ou de travail énergétique, c'est-à-dire de choses qui sont autres que ce qu'explique la science actuelle, eh bien, vous sortez du clan. Et là, les gens vont avoir tendance à, du coup, vous regarder comme un extraterrestre en disant, bon, bah, très bien, ce que nous, on pense, et tu trouves ça naze, donc, pfft, on te repousse. Mais vous avez la possibilité de dépasser ça, c'est-à-dire de comprendre ce qui se passe dans leur tête et de le vivre autrement. C'est-à-dire de ne pas vous sentir rejeté, mais peut-être bah de, je sais pas, alors tout à l'heure, vous aviez, voilà, qu'est-ce que vous avez, vous? Il faut demander de l'aide, là. Vous voyez, comme l'amour et l'attachement, là, on retombe dessus, en fait. C'est le droit, en fait, donner et recevoir. Voilà, il faut demander de l'aide à Raphaël, là, pour ça. Si vous sentez qu'au cours du mois, vous êtes... Les autres vous rejettent parce que vous avez une pensée qui est différente, parce que vous avez un mode de vie qui devient différent des gens que vous avez côtoyés jusqu'à présent. Demandez de l'aide à Raphaël parce que vous êtes simplement porteur de la mémoire de votre famille et qu'il ne faut pas que ça se rejoue. Et à partir du moment où on l'a conscientisé, alors là j'en remets une couche hein, sur la méditation, ça c'est des choses à travailler en méditation, il faut demander, il faut nettoyer, il faut recréer les liens, il faut créer des gestes dans votre cerveau, et c'est une méditation active évidemment, et tout ça fonctionne. Alors la joie, regardez ça, la joie, l'équilibre, la loi, et le travail. Donc, évidemment, là, ce qui m'appelle, c'est qu'il y a des gens qui, sur le plan professionnel, ont été rejetés. Vos familles, je repars, hein. J'espère que je ne suis pas en train de vous assommer je pense que c'est assez intéressant. Non pas mes propos, hein, c'est ce qu'on m'envoie, c'est pas ce que je vous raconte qui est intéressant. Dans 5 minutes, j'aurais oublié. Enfin, non, quand même pas, mais je veux dire, c'est pas pour m'accorder des lauriers, pas du tout. Alors, je reprends. Votre famille, sur le plan du travail professionnel, a dû être rejetée. C'est-à-dire, t'es pas à la hauteur, t'as pas le boulot, t'as pas machin. D'accord? Moi, je le vois clairement dans une partie de ma famille, l'autre peut-être moins, mais ça va me venir. Donc, parce qu'il y a cette mémoire, vous voyez, du clan. Mais ça peut remonter à je ne sais quand là, hein, cette histoire de clan là. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Donc, c'est un refus d'appartenance en fait. C'est la liberté, c'est que vos ancêtres ou vous, vous avez un besoin de liberté. C'est le refus d'être dans j'appartiens à quelque chose qui me limite. Et ça, bah du coup, vous l'avez payé sur le plan professionnel. Mais maintenant, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre.
D'accord? Ça veut dire que sur le plan professionnel, il y a des choses qui étaient bloquées pour vous et pour votre famille, pour vos enfants aussi. Sachez que tout le travail que vous faites, vous libérez les mémoires de vos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, vous libérez les mémoires des enfants, de vos frères, de vos sœurs, etc. Hein? D'accord? Bon. Alors, il y a donc un bonheur retrouvé ici. On retrouve un équilibre et la joie. Je vais éternuer. Dans le travail. Ce qui veut dire que précédemment, vous vous êtes retrouvé à cause de ça, à cause de cette hérédité, sur des boulots qui étaient comme des fardeaux. C'est-à-dire le boulot que les autres ne veulent pas. Où on revit encore le rejet. Voilà, Kiki est en train de faire un gros rêve. Là, elle me fait des gros bruits avec sa bouche. Je ne sais pas ce qui se passe. Très intéressant. On va montrer un autre truc là. C'est ça. Et c'est pour ça que vous êtes sur un boulot qui ne vous plaît pas. Et vous avez la possibilité de vous orienter. Alors, soit d'aimer, de vous mettre à aimer votre travail. Je ne sais pas comment. Soit de vous orienter vers un travail que vous aimez. Je dis bien vous orienter. Hein. Je ne vous dis pas qu'au mois de mai, vous avez. Ça y est, coucou, on sonne à ta porte et viens faire un boulot génial avec moi. Et voilà, hein, c'est pas ça. Voilà, bon, écoutez, je crois que je pourrais creuser plus, mais après, ça va. Hein. C'est déjà pas mal, là, je crois qu'on a pas mal de choses. Je pense qu'il y a aussi des gens au travail, je vous le dis, qui ont jalousé votre force de travail, c'est-à-dire votre authenticité, je sais plus où je l'ai vu, mais c'était là, c'est reparti, mais comme si en fait les gens et si vous savez les gens qui bossent trop bien, moi c'est arrivé plusieurs fois dans ma famille, hein, je vous le dis. Alors moi personnellement, je l'ai pas trop vécu, peut-être parce que j'ai pas fait le boulot qu'il fallait. Les gens qui bossent trop bien, c'est arrivé à mon cousin, c'est arrivé à ma sœur. Ils se sont fait. Ma sœur s'est fait virer parce qu'en fait, elle est arrivée et elle s'est mise à mieux travailler que les personnes qui étaient déjà en place. Et ben, ça dérange en fait parce que forcément, elle était dynamique, elle voulait bosser, voilà, elle y allait quoi. Et puis mon cousin qui est médecin s'est retrouvé avec des ennuis auprès de ses collègues. Parce que il arrivait trop tôt au boulot le matin. Les collègues lui ont dit. Alors, il ne travaillait pas dans un cabinet privé. Hein, il travaillait en collectif, enfin avec d'autres collègues. Et il partait au boulot assez tôt. Il emmenait sa fille au boulot et puis il démarrait ensuite son travail. Et les collègues lui disent non, 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 mais là c'est pas possible. Hein, tu peux pas arriver aussi tôt parce que nous, on veut pas travailler tôt le matin. Donc voilà. Et puis ben, le soir, il comptait pas ses heures en fait. Il était investi dans son travail et ça s'est mal passé parce qu'en fait. Ben voilà, il était dans un service où ça travaillait pas beaucoup. Et voyez, donc c'est un peu l'idée. Ici, je pense qu'il y a eu ça en fait. Il y a eu, si vous voulez, des trahisons, des blessures, des jalousies, des coups dans le dos. Parce que l'énergie que vous mettiez sur le travail était forte ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que ben, ça vous a valu des choses pas forcément. Très sympa derrière. C'est plus facile de remettre en cause les autres en disant c'est lui qui fait pas bien ou c'est lui qui nous casse les pieds plutôt que de se bouger en disant bon ben moi aussi il faut que je bosse autant. Vous voyez, il y a un peu de ça. Voilà, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est que ça devait être pour quelqu'un. Allez, alors on va poser une question aux anges. Alors, il faudrait que je la note. Je vais faire pause parce que je veux noter ma question, sinon je ne saurai plus. J'arrive. Voilà, donc je vous laisse faire pause évidemment sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de d'écrire votre question ou tout simplement de la trouver. On y va. Le moment idéal.
Donc, c'est le moment idéal pour. Alors, idéal, on est sur 3, 6 mois. Hein, voilà, c'est en ce moment. Ça ne veut pas dire aujourd'hui ou cette semaine. Hein, pour réaliser quelque chose, je pense vraiment sur le plan professionnel, c'est évident. Sur le plan de vos études. Sur le plan de l'acceptation de quelque chose de différent. Tout ce qui est déplacement, parce qu'on a mouvement, déplacement, déménagement, voilà, tout ça c'est le moment idéal, ok? Et puis évidemment, bah, pardonner par rapport aux trahisons, ça c'est sûr, voilà. Donc le temps ici venait davantage nous dire que c'était le bon moment. Cette carte elle peut vouloir dire ça, hein, que c'est le bon moment. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si vous voulez une guidance perso, je sais, voilà, écrivez-moi, je vais vous mettre sur une liste et puis j'enverrai un mail avec mes dispos. Je vais m'y remettre, hein, c'est promis. Je n'ai pas du tout l'intention de vous manquer de respect en ne faisant pas ces guidances personnalisées, mais j'ai du mal à tout gérer en fait, hein, vraiment, c'est très lourd. Et voilà, et puis comme j'ai pas de réponse pour tout le monde, bah, du coup je préfère en avoir pour personne. Enfin voilà, excusez-moi. Allez, je vous dis à bientôt. Merci, bye bye. Allez, troisième groupe, je suis très impatiente de découvrir votre tirage parce que le pendentif s'est un petit peu imposé comme ça à la dernière minute. Et j'ai senti que je pouvais pas. Voilà, j'avais pensé à un autre et non, 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 il fallait que ce soit celui-ci. Donc c'est pas un message anodin que vous allez recevoir. D'ailleurs, les deux premiers messages étaient assez denses, hein, voilà, je pense qu'on a quelque chose d'intéressant à dire aujourd'hui. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc là, clairement, ça veut dire qu'il y a des personnes ici qui ont besoin de recevoir une guidance, qui ont besoin de recevoir des messages, et que pour l'instant, il y a une trop grande agitation dans votre corps, vos corps subtils et votre corps physique, et que à cause de cette agitation, vous n'entendez pas les messages, vous ne pouvez pas les recevoir, parce que la connexion, elle est brouillée en fait. C'est un peu comme un poste télé. Alors, vous voyez, d'ailleurs, là, j'ai plein de bruit à côté, donc c'est pas sans raison. C'est comme si, en fait, vous essayez de regarder la télé, mais vous restez pas en place devant votre poste télé. Donc, du coup, l'image, elle est comme ça, et vous comprenez la moitié de ce qui se passe. D'accord? Voilà. Il faut impérativement travailler sur un équilibre en vous de vos énergies. Plus vous allez être dans l'apaisement, le calme, la sérénité, je fais la part des choses, je retrouve mon équilibre, je m'aligne, je médite, plus vous allez avoir les bonnes compréhensions, les bons messages, très clairement. Porte vers l'amour, regardez ce que ça vous ouvre. D'accord? Donc, ce n'est pas à négliger, hein. La femme réfléchit, donc vous comprenez des choses. Vous étudiez aussi des choses que vous aimez ici. Vous avez la possibilité de beaucoup mieux comprendre des choses que vous aimez étudier. Puisque là, vous allez être plus connecté, vous recevez mieux les messages. Donc ça veut dire que quand vous allez lire, quand vous allez travailler, eh bien en fait, ce que vous aimez travailler, hein, les messages vont être plus clairs, plus efficaces. La création, vous voyez, l'alignement, c'est exactement ça. La création, c'est ça, c'est trouver sa place dans l'univers. Cette carte, c'est ce qu'elle veut nous dire. Alors ici, on a le symbole, je ne sais pas, la géométrie sacrée qui est rattachée à Métatron, je crois. Donc, on peut éventuellement demander le soutien, l'aide de Métatron. D'ailleurs, il faut que je vous fasse un tirage avec message des quatre, de cinq archanges. Messager, bah tiens donc, vous voyez, les messages de Métatron, là, c'est clair. Donc, messager. Fear, la peur. Stand still. Il y a quelque chose qui n'avance pas et qui doit rester calme en fait. Hein. Vraiment. Stand still, c'est to be at a stand still. C'est comme une stase en fait. C'est la stase. La stase. D'accord, ça m'intéresse.
L'alimentation, c'est important. Cher archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Il y a des gens là qui mangent des trucs qui les bouchent. Alors, c'est très. Je parle comme un bébé, hein, comme un enfant. Bon, vous voyez bien ce que ça peut vouloir dire, hein, avec trop de sucreries par exemple qui ralentissent le transit, etc. Mais c'est pas que ça. Ce serait beaucoup trop simple en fait. C'est pas que ça. Ça veut dire que, par exemple, ce qui bouche, trop de graisse qui bouche les artères. Enfin, vous voyez, tout ce qui peut faire que il y a quelque chose qui stagne. Ça va venir. Il y a quelque chose qui stagne. La peur, la colère. Bon. Il y a quelque chose qui stagne en vous. Et ça, c'est favorisé par l'alimentation. Donc, très clairement, ça donne des kilos en trop souvent. Ici. Parce que, en fait, c'est comme si vous gardiez quelque chose, vous stockez quelque chose dans votre corps qui doit normalement. Qui doit normalement être utilisé, mais qui doit être rendu. Alors, là, c'est la carte du Ace of Spirals. C'est donc l'as de denier. Vous voyez que les cartes sont très très belles, mais rien à voir avec un as de denier normal. Alors là, ce qui m'appelle, c'est évidemment la connexion, la fusion du. C'est la compréhension de la nature qui m'appelle ici. La fusion avec les végétaux. Alors moi, je suis en plein dedans, hein, à complet. C'est délirant. Il faut se laisser porter en fait. Il faut se laisser guider. Il faut se laisser appeler par les végétaux. Alors je sais que j'ai l'air comme ça de vous dire, Marilyn, qu'est-ce que tu racontes? Tu as fumé la moquette? Pas du tout. J'ai pas du tout fumé la moquette. Alors je vous invite à aller lire ou au moins regarder le résumé du livre La vie secrète des plantes. Parce que là, vous allez tomber de haut. Enfin, moi, je tombe de haut. Alors, peut-être que vous, non, hein, bien sûr. Je vous en ai déjà parlé. Les plantes sont vivantes. Mais alors, à ce point-là, je ne pensais pas. Et donc, maintenant que je l'ai compris et que je les entends, je sais qu'elles me parlent et qu'elles m'envoient des messages. Et là, ça me permet, ça nous permet, ça va nous permettre, hein, vous aussi, évidemment, d'avancer. De faire confiance en fait à la nature et au message qu'elle vous envoie, que les plantes vous envoient, même si vous, vous n'y voyez pas clair. D'accord? Donc, très clairement, si vous pensez à une plante, par exemple, il y a une plante qui vous appelle, qui vous attire, renseignez-vous sur ses bienfaits, sur ce sur quoi elle peut vous apporter de l'aide et son soutien, que ce soit en tisane, que ce soit en petits comprimés de phyto. Que ce soit en plante sèche à brûler, dans le bain ou à manger si c'est des plantes comestibles. Voilà, mais il y a quelque chose ici que vous pouvez vraiment travailler au cours du mois. Et là, qu'est-ce qu'on a? Femme de la nuit. Femme de la nuit, ce sont les. C'est pas les sorcières. Ce sont des femmes qui sont connectées entre elles, je crois. J'aimerais bien vérifier cette carte femme de la nuit. Ce n'est pas la sorcière, c'est, je pense, la communication intense avec les éléments, en fait, femme de la nuit. C'est ça qui m'appelle. C'est aussi, évidemment, une connexion à ses parts d'ombre. Hein. On a la lune là sur la. Sur la tête de cette personne. Je vais aller vérifier. Mais alors attendez, je vais nous faire un petit. Je regarde ce que j'ai d'autre. Ah.
Oh là là. Bon, j'aime pas trop qu'on me fasse porteur de ce genre de message parce que ça me semble très polémique, mais je vais quand même vous le dire parce que je pense que c'est aussi de ma responsabilité de vous le dire. Alors, je ne regarde pas du tout l'actualité, vous le savez, hein, les news, voilà, je vous parle très très peu de la pandémie. Mais c'est pas forcément une chose très bien que de ne pas me faire partie d'un tout, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un tout et que je ne peux pas non plus ignorer ce qui se passe dans la société. J'ai compris pourquoi on me coupait complètement des infos, c'est parce qu'en fait, mon cerveau ne reçoit aucun matraquage médiatique, zéro, puisque ça fait des années que je ne regarde pas les news. Je ne regarde pas la télé, je ne regarde pas les pubs, je regarde des émissions sur Arte, sur les animaux. C'est le seul truc auquel j'arrive à m'intéresser. Les animaux et le voyage, les cultures différentes. C'est les seules choses que je regarde à la télé. Ce sont les seules choses que je regarde à la télé. Et je me suis beaucoup interrogée sur ça. Je me suis dit, mais c'est bizarre quand même que tu n'arrives pas à... Je ne connais pas un seul membre du gouvernement. Je ne sais rien. Je ne connais pas les journalistes. Je ne sais rien de rien. Et j'ai compris qu'on m'avait protégée de ça. On m'a protégée d'un matraquage médiatique qui fait que... aujourd'hui, je ne suis pas du tout influencée par ce qu'on essaye de nous faire croire. Je reviens là-dessus. On m'a appris récemment que quand les Romains sont arrivés en France, enfin, ce qui n'était pas encore la France, et qu'ils n'arrivaient pas à gagner la Gaule, les Gaulois, puisque les Gaulois leur résistaient, hein, contrairement aux autres populations. Ils ont arrêté le combat et ils ont décidé de donner du sucre aux Gaulois. En donnant du sucre aux Gaulois, très rapidement, ils ont réussi, en fait, avec le temps, quand les Gaulois se sont habitués au sucre, ils ont perdu contre les Romains. C'est-à-dire qu'ils ont réussi le sucre à manipuler leur cerveau. Parce que avec le sucre, en fait, on ne reçoit pas les énergies correctement, on ne reçoit pas les messages correctement. Ici, on voit que là, il y a un message puissant qui nous arrive de l'univers, et c'est pour ça que je vous le dis, avec peut-être Métatron, je ne sais pas, il faut regarder les attributs de Métatron, je ne maîtrise pas assez les attributs des archanges, mais ici, il y a un message puissant qui nous arrive par rapport à la peur, d'accord? Au fait qu'on entretienne notre peur. On sait bien par rapport à quoi, par rapport à la pandémie, etc. Voilà. Donc, l'alimentation ici va vous permettre, au cours du mois, si vous corrigez votre alimentation, que vous orientez vers quelque chose de beaucoup plus sain, de ne plus manger en ne mangeant plus de produits qui sont fabriqués par des entreprises où on met des choses dans l'alimentation pour nous. Vous achetez une sauce tomate dans le commerce, elle est bourrée de sucre. Alors voilà, je vous dis pas que j'en achète pas, hein. Je fais ce que je peux, j'essaye, je fais au mieux. Voilà, je suis comme vous, j'ai du boulot, je m'en sors pas, je suis fatiguée. Mais voilà, il y a quelque chose. Et ici, très clairement, si vous voulez, il faut apprendre avec l'as de... apprendre à se reconnecter, saisir les opportunités pour se reconnecter à des choses extrêmement saines. Parce que c'est ça qui va libérer le cerveau. D'accord? C'est ça qui va faire progresser la femme réfléchie, la femme ou l'homme, hein, on s'en fiche, hein, et qui va faire que vous allez beaucoup mieux entendre les messages de vos guides. Parce que quand on consomme des choses qui sont bourrées d'additifs, de je ne sais quoi, ça modifie en fait. Alors, ne me demandez pas quoi, mes études de la biologie et la physique, pour moi, c'était les pires matières à l'école. C'est le plus compliqué pour moi, donc je n'ai aucun vocabulaire pour vous transmettre quoi que ce soit. Donc les guides, je ne sais pas pourquoi les guides m'ont choisi moi pour vous dire ça. Je n'ai franchement pas le vocabulaire. Sans doute que c'est parce que je dois m'adresser à des gens qui ne sont pas plus au fait que moi de la science. Enfin, il y en a sans doute parmi vous qui le sont plus que moi. Ça ne peut pas être pire. Donc. Mais en gros, là, la clé, c'est la peur. C'est-à-dire que... on choisit, voilà, regardez ça. On a le choix. Une fois qu'on va sortir de cette. On va se détoxiquer, d'accord? Désintoxiquer, en nous reconnectant à la nature profonde des choses. Des tisanes, vous voyez là, tiens, je vais vous donner un autre petit truc aussi que je vais vous transmettre, je vais vous le dire dans deux secondes. Quand on se purifie, on désintoxique son organisme, on se reconnecte à la nature, aux choses simples.
Ça va vous déboucher, d'accord? Je reviens sur la stase. Ça va vous déboucher, ça va vous permettre de mieux comprendre les messages de vos guides. Ça va aussi vous montrer dans quelle manipulation on a pu être et se rebeller contre cette manipulation, puisque je veux dire, là, il n'est quand même pas question que la Terre ne se rebelle pas, hein. Vous voyez bien que la Terre est en train de changer, on est en train de complètement évoluer, de changer de paradigme. Donc là, il y a quelque chose ici. On a le choix de faire le choix du cœur ou le choix de la peur. Plus vous allez consommer de substances qui sont nocives pour votre organisme, plus vous allez nourrir la peur. D'accord? Et faire le choix de la peur. Faire le choix de la peur, c'est faire le choix de la sécurité souvent. C'est faire le choix de dire je reste ce qui me sécurise, ce qu'on m'a appris dans l'enfance. D'accord? Nos parents, la génération de nos parents, n'étaient pas dans cette conscientisation. Le taux vibratoire de la Terre a changé depuis. Enfin. Voilà, les choses ont évolué. Donc, ce qu'on nous a appris, ce qui était de l'ordre de la sécurité pour nous, c'est en fait nourrir notre peur. Donc, voilà, on a le choix de s'ouvrir à l'amour. Donc, être dans le partage, la générosité d'énergie, voilà, mais surtout écouter. D'accord? Il y a vraiment une notion de partage ici, de partenariat avec ce 3, en fait, hein, ici, vraiment. Voilà. Je fais pause et je regarde ce que nous dit Femme de la Nuit. On va peut-être avoir un petit message complémentaire et après je vous tire l'oracle des miroirs. Oui, donc j'ai bien fait d'aller vérifier. Femme de la Nuit nous parle de faire le ménage dans son intérieur. Je vous en ai déjà parlé hein, cette semaine. J'avais intitulé les énergies, c'est la semaine du grand ménage. Donc vous voyez, il y a cette histoire de débouché. Enfin voilà. Donc il est évident que si vous n'arrivez pas à travailler sur votre corps, si vous travaillez sur votre maison, ça va faire du bien, c'est pareil, d'accord? Donc nettoyez tout ce que vous pouvez nettoyer chez vous, enlevez tout ce qui bloque, tout ce qui est limitant, enfin voilà, tout ce qui obstrue le passage de l'énergie et tout ce qui stagne et qui alourdit l'énergie ambiante, d'accord? Parce que c'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour nous, puisque on est connecté au tout et que même si vous, voilà, si moi je laisse du bazar chez moi, ben, ça impacte indirectement votre vie à vous, voilà. Donc première chose. Nettoyage, faire le vide dans son intérieur, enfin pas le vide mais nettoyer. Et puis Femme de la Nuit nous invite aussi, alors ça c'est très parti, enfin ça m'étonne pas que cette carte soit ressortie, je vais vous expliquer pourquoi. C'est une carte qui invite les femmes, les hommes aussi à aller danser ensemble la nuit pour être connectés aux éléments. Bon, alors je vous dis pas que c'est quelque chose qui est facile à faire. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin, on a vraiment besoin de se connecter ensemble et de créer une dynamique de groupe où on se retrouve et on partage de l'énergie, on envoie des choses positives à la Terre. Je ne suis pas surprise parce que j'ai reçu aujourd'hui, oui, hier, j'ai reçu un mail d'une chamane qui habite sur Lyon et qui propose avec une personne qui est guide spirituel, enfin je ne sais pas qui est cette personne, qui propose des stages de danse. Pour cet été. Bon, alors après, quand j'ai vu le prix des stages de danse, moi je ne peux pas. En plus, je ne suis pas forcément disponible sur les dates, mais voilà, c'était des stages qui sont très chers. Mais bon, peu importe. Ça veut quand même bien dire que la dynamique est là, parce que j'ai reçu le mail cette semaine. Allons danser ensemble. Si, en plus, ça se passe dans la nature, alors je ne sais plus où cet été, mais enfin, bon, peu importe. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose par rapport à ça où on a la possibilité peut-être au cours du mois de mai de favoriser les moments dans la nature. Alors, on va voir avec le couvre-feu hein, ce qu'on nous permet de faire. Je crois que j'ai entendu parler de 23 h où en fin de mois on pourra sortir jusque 23 h, ce qui nous laisserait un petit moment quand même pour être en communion avec la nature et pouvoir danser dans la nature pour retrouver, faire remonter nos taux vibratoires. Voilà ce qu'on a pour votre groupe. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ce que je peux vous dire d'autre. Ah, j'ai oublié de vous donner le petit tuyau que j'ai ici. Alors, le truc, c'est que en médecine chinoise, on fait attention, vous savez, au vent, au froid, à l'humidité dans le corps. L'humidité en ce moment, là, il pleut beaucoup ces jours-ci. Donc, pour lutter contre l'humidité dans le corps, il faut, alors évidemment, faire très attention de toujours se sécher les cheveux. Moi, je ne savais pas.
On m'avait jamais dit qu'il fallait forcément se sécher les cheveux. Alors il y a des gens qui vont dire, bah oui, bah, c'est évident. Bah non, bah, moi c'était pas évident. Donc moi j'ai les cheveux très longs, très épais. Donc forcément, si vous voulez, ça mettait des heures, voilà. Et c'est très mauvais pour l'organisme. Première chose. Quand je sors maintenant sous la pluie, je fais très attention de bien me sécher en rentrant, de changer mes vêtements, de les mettre à sécher sur un radiateur. Et je bois donc cette tisane, et c'est là que j'en voulais en venir, qui est de la peau de mandarine. Donc ça se commande sur des sites de médecine chinoise, la peau de mandarine. Et à chaque fois qu'il fait humide, eh bien en fait, j'en prends et ça permet d'éliminer en fait tout ce qui est humidité sur le corps. D'accord? Voilà. Toute forme d'humidité où vous sentez que vous transpirez, où vous avez chaud, ou que vous voyez, où vous sentez moite en fait, d'accord? Eh bien, cette tisane va fonctionner. Alors, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas cette tisane, vous manger de la confiture d'orange amère. Parce que ça va aider aussi en fait. C'est l'écorce d'agrumes. Alors, la tisane, moi j'en bois plusieurs fois par jour et après je mange les peaux, d'accord? Voilà. Première astuce. Et puis aussi, parce que ça fonctionne, je l'ai constaté, je mets dans mon appartement des vidéos de feu de cheminée, parce que je n'ai pas de cheminée. Donc si vous avez une cheminée, bah, évidemment, vous savez bien que le feu et l'eau, ça fait évaporer l'eau, hein. Mais comme je n'ai pas de cheminée, je mets sur ma télé, avec la PS4 de mes fils. Je me connecte à YouTube et je mets les images d'un feu de cheminée. Et en fait, je sais que ça marche parce qu'un jour, j'avais invité un ami à boire le thé et on papotait en fait devant le truc et j'avais mis l'écran et lui était pile en face du feu et il m'a dit, mais c'est fou ce truc, ça marche ça. Je sens la chaleur dans mon corps en fait, vraiment. Et donc ça permet d'assécher et de monter la chaleur. Donc quand vous sentez que vous avez besoin de feu, que vous avez froid, que vous avez besoin d'être réchauffé, eh bien ça fonctionne en fait. D'accord? Voilà. Petite astuce. Alors évidemment, si vous prenez le temps, par exemple, de déjeuner ou de dîner ou de voilà de regarder ce feu de cheminée quelques minutes, eh bien c'est comme si vous faisiez rentrer de la chaleur dans votre corps. Voilà. Et ça fonctionne. Dream, 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 dream. La loi, encore. On n'arrête pas de la voir. Alors, j'ai ma petite déco qui s'est sauvée. Je me doutais que ça ne tiendrait pas. C'est pas grave. Alors, la loi, je dis encore parce que je crois que je l'ai eue sur les deux premiers tirages déjà, à des endroits différents. La famille, bon, alors, voilà. J'ai quand même l'impression que les tirages se suivent un peu. L'enfermement. L'homme. Oh. Alors, il n'y a que sur votre tirage qu'il y a l'homme qui apparaît. Alors, ici. Alors, l'enfermement nous parle de solitude, hein, du fait de se sentir isolé. Donc, peut-être qu'au cours du mois, vous allez travailler sur une libération, sur le fait de... Alors, peut-être davantage voir votre famille. Évidemment, voir les hommes de votre famille, peut-être aussi qu'il y a autour de vous l'énergie d'un homme, parce qu'on avait le cœur, hein, on avait porte vers l'amour quand même tout à l'heure, quelque chose qui était bloqué par rapport à l'amour. Il se peut qu'il y ait un homme auquel vous êtes connecté, quelqu'un qui a une famille et avec qui il est difficile d'entrer en communication, parce que cette personne est enfermée avec sa famille ou... Parce que ben, dans la mesure où cette personne a une famille, ça bloque en fait ça bloque la chose. Alors peut-être bien aussi que vous êtes vous-même enfermé dans des relations où systématiquement, par exemple, vous tombez sur des hommes qui ont déjà quelqu'un, qui ont déjà une famille, et que c'est à cause de la famille que ça pêche en fait. D'accord? Que la relation ne fonctionne pas avec vous, parce que il y a quelque chose sur la famille qui fait que bah, ça passe pas en fait. Alors on va voir ce que j'ai d'autre. Pour l'instant, c'est tout ce qui me vient. Alors voilà, regardez, la séparation, la famille.
Et le boomerang. Alors, comme si vous voulez, sur le tirage depuis le début, je sais qu'on travaille sur des mémoires, soit sur du karmique, soit sur des mémoires transgénérationnelles, parce qu'avec la pierre qu'on m'a laissée là, c'est forcément ça. Et là, voyons, on est sur un rééquilibrage de quelque chose. Donc, je pense que dans les trois groupes de cartes, de toute façon, j'avais quelque chose par rapport à la famille. Alors, visiblement, si vous voulez, il y a eu une séparation. Vous êtes soit séparé d'un partenaire, soit vous vous êtes séparé de votre famille, soit les deux. C'est-à-dire que vous vous étiez séparé de votre famille et vous êtes aussi séparé de votre partenaire. C'est possible. Là, on voit qu'il y a un retour d'énergie par rapport à ça. Attention, c'est un retour d'énergie. Ce n'est pas forcément un retour de partenaire. D'accord? Ce n'est pas la carte du retour. Elle y est peut-être hein, ici. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. On voit que. J'ai l'impression que si vous vous êtes séparé de votre famille, alors ça ne va pas vous faire plaisir, il y a comme un retour d'énergie qui est plutôt négatif. Là, on me montre un truc. Peut-être que vous subissez des énergies négatives parce que vous vous êtes séparé de votre famille. Et que forcément, c'est en vous reconnectant à votre famille que vous allez pouvoir inverser la vapeur. Alors, la famille. C'est pas forcément que la famille de sang. Ça peut être aussi la famille d'âme. Dream. Je savais bien qu'il était là. Dream, dream, dream. Qu'est-ce qu'elle dit la chanson? Dream. Je sais pas les paroles. Alors, on voit que vos rêves sont bloqués, la réalisation de vos rêves sont bloqués ou vous vous bloquez tout seul, toute seule par rapport à la réalisation de quelque chose dont vous rêvez. Vous vous bloquiez. Ici, il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle dynamique, on peut sortir d'un enfermement ici, on le voit, pour aller réaliser ses rêves. Vos rêves peut-être ont été bloqués aussi par le fait que vous n'avez pas, soit vous vous êtes séparés, soit vous n'avez pas reçu le soutien de votre famille. Mais il y a quelque chose ici qui revient. La sexualité, l'homme. Oh bah alors là, oh là là. Bon, alors là pour le coup, il y a bien un retour. Il y a un retour d'une personne qui est intéressée sur le plan charnel, il faut aller regarder la symbolique de l'Ouroboros. Vous savez, c'est le serpent qui se mord la queue, là, l'Ouroboros, mais alors je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Donc, si vous pouvez lire des trucs sur l'Ouroboros, ça va vous aider parce que là, vraiment, on m'appelle par rapport à ça. C'est quelqu'un qui revient, qui se prend la tête. C'est quelqu'un qui sait, avec qui vous êtes pris la tête, vous vous prenez la tête, ou ça prend la tête. Peut-être que c'est la question de la sexualité qui prend la tête entre vous. C'est possible. C'est possible que ça veut nous dire que cette personne, cette personne a décidé aussi de se séparer de sa famille. Alors, est-ce que c'est pour revenir vers vous? Ben, peut-être, hein. C'est possible qu'il y ait des personnes qui se séparent de leur famille. Alors, se séparer de sa famille, attention. C'est pas forcément je quitte ma femme pour être avec toi.
Ça peut-être, hein, j'en sais rien. Mais ça peut être aussi, je quitte les habitudes de ma famille, c'est-à-dire ce que ma famille m'a enseigné, je m'éloigne de ce que ma famille m'a transmis et des enfermements qui ont été limitants par l'éducation que j'ai reçue de ma famille pour aller vivre autre chose. Je me dépasse, je vais vers autre chose. Alors, ça peut aussi vouloir vous dire que vous, s'il n'y a pas de retour d'un homme, parce que j'aime pas, voilà, je vous dis toujours dans la matière, comment ça se manifeste, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas dans la tête des hommes à qui vous pensez, ou de l'autre, hein, d'une femme, c'est pas grave, d'un partenaire, on va dire. Et on n'est jamais sûr de ce que l'autre va faire. L'univers nous propose des choses, et au final, parfois, il se passe rien parce que l'autre ne réagit pas en face. Même si l'énergie est là, mais si la personne ne fait rien, ben, c'est comme vous, c'est ce que je vous disais sur le début de ma vidéo. On vous propose des choses. Si vous ne faites pas le travail, ben l'énergie, elle passe. Il se passe autre chose dans votre vie, mais pas ce que je vous ai annoncé. Et ben, donc, c'est pareil. Donc là, si vous voulez, peut-être qu'il y a des partenaires qui vont bouger, avec qui on peut renouer quelque chose, c'est possible. Mais si ce n'est pas le cas, si le partenaire ne réagit pas, vous, dans tous les cas, l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est que vous réintroduisez, en fait, je pense, d'ailleurs, le verbe choisi, hein, vous voyez le verbe que j'ai choisi, enfin que j'ai pas choisi d'ailleurs, le besoin, la nécessité d'avoir une vie sexuelle et d'avoir un partenaire dans votre vie. C'est-à-dire que ça revient, la dynamique revient. Maintenant, est-ce que concrètement il y a un homme qui revient ou pas? Je peux pas vous dire ça. Peut-être, mais pas forcément. Mais si c'est pas le cas, je pense que vous allez prendre les choses en main pour faire revenir, pour relancer la machine en fait, d'accord? Pour faire en sorte d'avoir un partenaire ou de revivre quelque chose par rapport à un homme. Et très certainement de sortir d'un enfermement qui a été dû à la fois à des partenaires, des hommes peut-être, mais ça peut être une femme pour vous si vous êtes un homme, monsieur. Et à la famille en fait, il y a des enfermements par rapport à la famille, mais je pense qu'il y a une possibilité de dépasser tout ça. Les rêves, la séparation et la sexualité. Mais il y a quand même bien quelqu'un ici, j'ai l'impression, hein, dont vous êtes séparés et qui pense à vous, à qui vous êtes connecté et qui pense pas que à vous, qui pense aussi à votre corps. Et là, très clairement, il y a une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui est en gestation ou qui germe. Enfin, c'est pas en gestation, là, c'est une naissance. Ce n'est pas la gestation, ce n'est pas la fécondité, là. Il y a vraiment un retour énergétique de quoi? On va demander, hein. Parce que je ne suis pas sur le petit Lenormand, je ne peux pas calculer l'arcane majeur qui. Ben, d'un truc ancien, mais quoi? La naissance, il y a quelque chose qui revient de loin en fait, avec le temps. Mais quoi exactement? Qu'est-ce qui revient? Qu'est-ce qui revient, les guides? Qu'est-ce qui revient? Donc je pense, si vous voulez, que c'est comme si on avait fait un tour de roue et qu'on a la possibilité de revivre les choses, mais différemment. Oui, c'est ça. On peut sortir d'énergie d'échec. Donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné avec une personne, avec des personnes, et qui. C'est comme si on avait digéré cette épreuve, on avait retravaillé par rapport à cette épreuve, et les choses se présentent maintenant différemment. Et avec la. Alors différemment ou pas, en fait, avec la possibilité d'un retour. Mais ça reste une possibilité en fait. C'est pas forcément une réussite. Puisque j'ai l'échec, hein. Je ne vais pas en tirer d'autres. On va poser une question et puis on va s'arrêter là. Donc en gros, une question aux anges. En gros, il faut retenir de votre tirage que. Peut-être que je fatigue.
Vous avez des compréhensions par rapport à ce qui est bouché. Vous devez écouter. Vous devez vous reconnecter avec la nature en travaillant votre alimentation pour recevoir les bons messages, ce qui va vous permettre de vous libérer de vos peurs et peut-être de retrouver une place dans le groupe et aussi, puisque je vous le disais, de s'aligner sur les énergies, les bonnes énergies planétaires et pas les mauvaises, hein, au sens large par rapport à la pandémie. Et maintenant, concrètement, il y a un truc que j'ai pas saisi de retour par rapport à la famille, là. Quelque chose qui revient par rapport à la famille, mais on ne me dit pas quoi. Je crois qu'on ne me dit pas quoi. Quelque chose qui n'a pas fonctionné et qu'il est possible de dépasser. Ça peut être des blocages aussi familiaux par rapport à la sexualité, hein, évidemment. Des mémoires familiales où la sexualité c'est quelque chose de mal ou quelque chose de bloqué, enfin il y a quelque chose comme ça où vous pouvez en fait, je pense, nettoyer cette mémoire d'échec par rapport à la sexualité, mais très certainement avec un partenaire. Enfin, j'imagine mal qu'on puisse dépasser des blocages par rapport à la sexualité dans sa famille sans partenaire, ça me semble un peu compliqué. Hein. Donc voilà, normalement, il devrait y avoir un partenaire en face avec qui ça a sans doute déjà été compliqué. Enfin, je ne sais pas, il faut voir l'Ouroboros là. Parce que c'est un peu le diable qui se mord la queue. Donc il faut trouver l'équilibre avec ce partenaire. Mais est-ce que l'autre va le trouver et va venir vers vous? Je ne sais pas. J'ai quand même l'échec ici, le temps. Ça fait longtemps que ça dure et ça fait longtemps qu'il y a un échec avec cette personne. Ce n'est pas la première fois, je pense. Donc voilà. Alors, on va poser une question. Je vous laisse faire pause sur la vidéo. Je vais faire pause aussi pour écrire ma question. Et puis, je vous retrouve après. On tire une carte des anges. Allez, on est parti. La situation va s'améliorer. Alors, je pense quand même que c'est. Je ne sais pas quelle question vous avez posée, mais ce qu'on sent, c'est que si vous voulez, c'est quand je vous ai dit, vous réintroduisez la possibilité d'avoir un partenaire dans votre vie, etc. C'est ça qui revient, je pense, essentiellement. Et je pense aussi que du coup, quand vous allez rencontrer un partenaire, des partenaires, ou quand vous allez continuer votre relation avec la personne avec qui vous êtes, quelque chose est plus harmonieux par rapport à la sexualité, en fait. Soit votre sexualité avec votre partenaire évolue, soit sur vos prochaines relations, les choses vont évoluer de manière positive. Voilà, attention aux prises de tête, hein, parce que là j'ai mal à la tête et je pense que c'est pas sans raison, à l'épuisement, à la fatigue, il y a quelque chose là, je pense en plus pour vous. Allez, je vous embrasse, je vous remercie de votre attention, je vous dis à tout bientôt, mettez-moi mes petits pouces et puis voilà, à bientôt, allez, bye bye.